Attendez d'arriver au travail à 7h30 avant de commencer à répondre. N'ouvrez pas tous les messages en même temps. Ok, je vais vous faire la lecture pour la semaine. Je pense que c'est important pour vous de savoir les prévisions, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont prévu pour moi cette semaine. Demande l'assistance de vos ancêtres, de vos guides et de mes guides pendant que je suis en train de lire ces cartes. Que les choses que je vais vous dire, que ce soit exactement ce qu'ils ont prévu pour vous cette semaine. D'entre vous, vous avez des dons de guérison. Donc, je vais personnaliser, je vais parler en termes de tu. Tu as des dons de guérison. Tu avais peur de les utiliser parce que tu ne savais pas comment ça fonctionne. Donc, tu as des personnes qui vont venir à toi. Et tu as normalement une notion de leader. Dans le passé, c'est venu, c'est parti, c'est venu, c'est parti. Mais là, tu vas te retrouver. C'est un peu comme si ça va couler. Et tu ne feras plus de marche arrière. Je vois aussi quelqu'un que tu avais de la peine à faire constamment ton travail spirituel. C'était comme une attaque. Donc ça, ça va aussi être restauré. Voilà, ils insistent dessus. Tu avais des activités que tu avais lancées qui étaient ralenties. Et c'est comme s'il y avait une sorte de d'esprit de lourdeur. Toi-même, tu avais la paresse et tu avais l'impression que les gens qui travaillent avec toi, c'est comme s'ils étaient sous l'emprise de la même, du même esprit. Et on vous rappelle aussi les projets. Vous avez beaucoup de projets à projets. Caritatif que vous voulez savoir, que vous voulez faire, pardon. Donc on me dit de vous annoncer que ces projets, ça va se concrétiser plus que jamais. Tu auras l'impression que c'est en train de naître. Et certaines paperasses que vous aviez commencé depuis, peut-être pour créer une association, créer un business, ça va être accéléré. Tu auras toute ta paperasse. Et ce qui te bloquait avant, maintenant que tu as tous tes papiers, tu vas commencer à enseigner. Tu vas rentrer dans l'enseignement. L'enseignement spirituel d'abord. Voilà. Tu fais partie des personnes qui sont censées éveiller la population. Mais suite à la jalousie des gens, tu as eu honte. Tu as eu peur qu'on connaisse tes dons. Et tu t'es... Je vois quelqu'un qui s'est recroquevillé carrément. Donc, il y a la jalousie. Et c'est comme si tu seras immunisé à cette jalousie, en fait. Dans les choses qui t'atteignaient avant,
Mais c'est un des gens qui étaient jaloux de toi. En fait, je vois un peu comme si tu... Parfois, tu te disais que je suis sûr que la femme est jalouse de moi. Sinon, pourquoi est-ce qu'elle ferait ça? Mais après, toi-même, tu dis que... Ah, jaloux de moi que j'ai quoi? On te confirme que c'est la jalousie. Tu dois faire un couronnement personnel. Il y a ce que j'appelle le kit couronnement. Tu seras le premier milliardaire de ta famille. Et les choses vont devenir tellement claires pour toi. Tu seras le premier milliardaire de ta famille. Donc, je suis en train de faire une lecture générale pour cette semaine. Beaucoup d'entre vous, vous avez un traumatisme familial qui vous bloquait, que vous-même, vous ne saviez pas. Donc, dans les jours qui arrivent, c'est comme si ce voile est soulevé, en fait. Oui, c'est comme si ce voile est soulevé. Tu ne ressens plus cette peur. Tu ne ressens plus cette peur. Et vous avez le don de la foi. Ta foi est comme une force, une puissance. Cette semaine, tu vas voir que cette foi-là va mettre la volonté dans les gens. Les gens qui devaient t'aider mais qui résistaient. Tu as parfois la révélation que je suis censé faire ça. Je suis censé partir dans telle ville. Ça se gâte. Certains, vous devez asperger le sel à la maison. Parce qu'on va beaucoup attaquer votre vision cette semaine. Peut-être tu auras l'impression que tu as des... que ta vision est en train de se devenir floue. Il y en a ici, là, vous êtes des reines. Certains me donnent le nom sirène. Vous devez acheter des photos de l'eau et vous mettez chez vous. Certains, vous en avez même déjà, vous ne savez pas pourquoi. Et on me demande de vous dire de ne pas changer vos bonnes actions. Sachez maintenant vers qui diriger cela. On n'aide pas tout le monde. C'est un peu genre, tu aides un orphelin, quelqu'un te voit. Après, il vient comment dire, aide-moi, aide-moi. Quand tu aidais l'orphelin, tu étais là, oui, oui, oui. Après, le deuxième qui te demande de l'aider là, c'est bizarre. N'aide pas la deuxième personne. Il y en a ici, là, vous avez le don de faire des sortilèges. Les sortilèges ne sont pas négatifs, forcément. Ok, tu peux désenvoûter quelqu'un. Tu peux prier pour quelqu'un, tu obtiens ce que tu désires. Il y a quelqu'un ici là, tu voulais abandonner. On me dit de te dire, n'abandonne pas. Oui, n'abandonne pas. Et tu dois savoir que it's coming to. Tes choses sont en train d'avoir un sens. Écrit cela, je n'abandonnerai pas. Je vois que quand tu vends quelque part ou bien tu travailles quelque part et tu as des collègues ou bien une voisine au marché, tu ressens les attaques de la personne, mais tu te dis, ah, la personne va m'attaquer, pourquoi?
Donc, il y a des attaques qui sont en train d'être contrecarrées. Des attaques à ton égard qui sont en train d'être contrecarrées. J'expose toutes les personnes qui te détestent. Tu dois acheter des objets spirituels. L'œil de tigre, par exemple. Tu es un ange terrestre. Tu fais beaucoup de bien aux gens. Ne regarde pas le mal que ces personnes te font. Pendant que je dis ceci, il y a une pluie qui vient de s'abattre sur Libreville. Que ton abondance s'ouvre maintenant. C'est ta saison d'abondance. J'ouvre les écluses des cieux sur toi. Tu as le don de la force. Cette semaine, si tu vas voir comment tu auras, tu vas tellement faire les choses. Ta, 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 ta. On va te demander, mais waouh, tu prends la force comme ça pour faire ça. Oh. Tu as le don de la force qui est en train de s'activer. Pour certains, vous devez acheter un bâton de commandement. Et vous devez faire un don à l'orphelinat. Vous allez passer en solo, vous allez travailler à votre compte. Et vous êtes une sorte de guide de traversée. Votre don pour guider les gens va s'activer. Les gens viendront à vous. Donc on me dit de vous dire de ne même pas vous inquiéter. Et vous allez avoir une capacité à dire non aux gens maintenant. Vous allez devenir purement intéressé par le business. Vous allez devenir purement intéressé par le business. Tu te lèves le matin, tac, 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 tu sais ce que tu as fait. Parlez à vos guides. Vous allez aussi avoir l'envie de vous habiller spirituellement, d'avoir des vêtements spirituels sur vous. Ne résistez pas, achetez-les. Vous avez de hautes responsabilités. Vous êtes censé aider beaucoup de personnes. Des personnes dépendent de votre enseignement. Donc vous allez rentrer dans votre mission d'enseignement aussi. Et ça va aider les gens parce que quand vous allez enseigner, vous allez grandir et eux-mêmes, ils vont grandir. Je vois aussi quelqu'un ici là quand t'as beaucoup épuisé. Tu as frôlé la dépression. Tu as frôlé le burn-out. L'homme te dit que tu vas te relever. Parfois, dormir n'est pas négatif. Parfois, c'est dans le sommeil quand on peut te parler. Vous allez aussi découvrir. Vous allez découvrir qui vous êtes.
Écrivez, je sais qui je suis. Vous devez prendre le thé de désenvoûtement là. Achetez ce produit, vous le buvez. Ça va libérer votre ventre. Vous allez aussi être très guidé par l'Esprit de Dieu. Tu vas rester, tu vas avoir envie de faire quelque chose. Impulsivement, apparemment, mais ce n'est pas l'impulsion. Beaucoup d'entre vous, la présence de vos guides sera plus puissante que jamais. Et préparez-vous à prendre des décisions qui seront un peu folles. L'ennemi va aussi venir pour vous décourager. Maximum mercredi, tu auras une ouverture de voyage. Ou bien encore, une de tes vidéos va devenir virale. Ça va t'exposer tellement aux gens. Si tu as fait plus d'un an dans la dépression, reste dans ta dépression. Ne viens même pas me dire. Vos sorcelleries de dépression, restez avec ça chez vous. Tu fais 4 ans à la maison de la dépression. C'est bien. Le corona est fini depuis 2020. Bonjour, bonjour. Tu vas devenir viral. Tu vas aussi avoir ta confirmation de voyage. Tu as eu l'opportunité de voyager récemment et on a attaqué. On a sincèrement attaqué ton voyage. Ça va revenir. On me dit de te dire, ne te pose pas la question de savoir comment ou quand. Accepte seulement. Vous allez recevoir des instructions ou bien une confirmation de contrat. Un gros agent que tu attendais depuis. Certaines personnes qui te devaient vont revenir vers toi et t'offrir, ok, je paye en tel nombre de fois. Les dettes qui te faisaient ne pas dormir. Ta gorge aussi va beaucoup s'ouvrir. Tu vas te rendre compte que tu es en train de défier les personnes qui te faisaient du mal avant. Tu vas les défier sans avoir honte. Voilà. C'était tout pour ce matin. Les lectures personnalisées continuent. Donc, il est arrivé à Libreville. Vous payez, on va vous mettre dans une liste. Hier, je n'ai pas lu les gens. Ce week-end, je n'ai pas travaillé. De samedi soir jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas travaillé. Vous allez aussi recevoir beaucoup de personnes qui vont vouloir servir à vos côtés. Ça montre aussi que vous aviez ce défaut. Ce n'est pas un défaut, mais c'est devenu une peur en fait.
C'était devenu une peur. On me dit de te dire de ne pas avoir peur. Ok, je solidifie votre journée. Que tout ce que le Seigneur a lancé ce matin, qui est censé venir vers vous, vous localise. Qu'aucune arme qui a été forgée contre vous ne résiste, qu'elle se transforme plutôt en chemin ouvert. Toute arme forgée contre vous se transforme en un chemin ouvert. Ainsi soit-il. Voilà, vous passez une superbe journée. Ok? En allant à l'orphelinat, tu bénis ce que tu es en train de donner aux gens là. Et tu parles sur ça, tu dis que ça t'ouvre le chemin. Si c'est sucré, tu dis que comme c'est sucré là, que ma vie soit sucrée. C'est pour ça que vous faites, il y a les dons symboliques. Il y a les dons symboliques. Ce n'est pas seulement le riz ou bien le lait. Ou bien... Voilà. Continuez d'écouter les enseignements et de vous fortifier dans l'esprit. Je viens contre tout mauvais œil. Tout mauvais œil à votre égard. Je vous stabilise. Toute personne qui a voulu vous déstabiliser ne vous trouvera pas. Ainsi soit-il. Bonsoir et bien arrivé, Evelyne. Bonne arrivée. Olivia, bonne journée.